Bonjour Andreas. Bonjour Florence. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Alors on va d'abord commencer par te présenter. Tu vas te Ben présenter si tu veux bien. oui. Ben oui, voilà, je m'appelle Andreas, je suis viennois, autrichien, donc j'ai 43 ans, si c'est important à dire. Et Vraiment, mais voilà, c'est beau. je suis pédiatre, donc docteur pour les enfants, et je travaille à l'hôpital et au cabinet privé. Voilà. Tu travailles à l'hôpital. Et au cabinet, Oui. voilà, chez tous les deux. Donc tu t'occupes d'enfants qui ont quel âge? Ben, en Autriche, la pédiatrie, ça couvre tous de la néonatologie, ben, donc du nouveau-né, jusqu'à l'âge de 18 ans. Ah, jusqu'à l'âge de Oui, 18 ans, c'est c'est ça. considéré comme des C'est enfants. considéré comme adolescent D'accord. et ça s'appelle pédiatrie et docteur pour les adolescents. Pour les adolescents. Donc, D'accord. jusqu'à 18 ans, elle vient chez leur pédiatre. C'est D'accord. ça. Est-ce que tu t'es spécialisé dans quelque chose Je ou... suis à l'hôpital, je suis spécialisé aussi. Je suis cardiologue pédiatrique, ça veut dire que je m'occupe des enfants avec des maladies congénitaux de cœur, Maladie congénitale, congénitales cœur, oui, du oui. cœur. Et voilà, au cabinet, je fais un peu tout, la pédiatrie normale, mais aussi la cardiologie. Voilà. Ah oui. Et c'est beaucoup de travail. Oui, ben. Tu passes beaucoup d'heures à l'hôpital. Oui, ça dépend un peu toujours de si je fais des gardes ou pas, mais voilà. Donc ça change toutes les semaines. Alors, Andreas, tu es viennois. Oui. Tu es né à Vienne? Oui. Oui. Alors, où est-ce que tu as appris le français et comment? Bon, il y avait deux phases dans ma vie pour le français. D'abord, j'ai appris à l'école, au lycée viennois public, complètement normal. C'était ta deuxième ou ta première langue? C'était la troisième, Ah. sauf que la deuxième, la première langue, c'était l'allemand, évidemment, ma langue maternelle. Après, en Autriche, on commence avec l'anglais, ou à l'époque, on commençait avec l'anglais à l'âge de 10 ans. Maintenant, c'est beaucoup plus tôt. Mais là, à l'époque, les années 80, c'était à l'âge de 10 ans. Après, j'avais le latin, si ça compte comme langue. Qui est une langue morte. Alors en Oui, mais quand France, on fait même. la différence entre Oui, nous, une chez nous langue aussi. vivante et une Voilà, langue morte. voilà. Donc l'anglais était ta première langue Oui, c'est la première vivante. langue vivante. Le latin, après, qui aide quand même pour apprendre les langues romanes, comment Les langues dire, latines, latines, oui. ça sert bien. Et après, à 14 ans, j'ai commencé à apprendre le français. C'était 3 heures par semaine pour 4 ans. Voilà, entre Pendant 4 14 ans. ans et 18 ans. Voilà. Ouais, donc ta deuxième langue vivante. C'était le français. Après, j'avais aussi l'italien pour 3 ans à l'école. Ah oui. Voilà. Et comment tu es arrivé à ce niveau de langue? Parce que tu le parles très bien quand même. Ben, c'était plutôt parce que ben, après l'école, j'ai arrêté complètement le français parce que pour être honnête, je le détestais, je trouvais pas très bien. Ben, Ah, tu j'aimais n'aimais pas le pas, non pas du tout. français? Hein, je trouvais ça Pourquoi? parce que c'était l'anglais. Déjà, il est beaucoup plus facile pour les gens qui parlent allemand comme langue Oui, maternelle parce que bien c'est plus sûr. proche. Après, j'avais aussi l'italien que je trouvais beaucoup plus joli. On faisait beaucoup de vacances en Italie, donc c'était beaucoup plus naturel pour moi de parler italien que français. Après, le français, déjà, la prononciation, elle est difficile, ou elle était difficile pour Ah moi. oui, la La grammaire, prononciation. elle est difficile aussi. Il y a des formes qui n'existent pas du tout en allemand, surtout le subjonctif, qui est l'horreur pour tous les étudiants. Et j'imagine Le aussi pour les cauchemar. Français, parfois, le Le cauchemar des cauchemar. étudiants. Donc, j'aimais pas du tout. Donc, à 18 ans, je me suis dit, bon, ça c'est fait, plus jamais, trop bien. Mais voilà, à l'âge de 31 ans, oui, 31 ans, j'ai rencontré mon compagnon qui est français ici à Vienne. Et Et là, évidemment, tu as commencé à réveiller un peu ton français. à la base, c'était une nécessité parce que après un an de relation, on disait, bon, on va s'installer en France. Et donc, je me suis dit, bon, si je veux travailler comme docteur en France, il faut quand même que je redémarre mon français. Et oui. Et on a décidé de parler que français en famille, ben, à la maison. En plus, là, je fais un petit. J'attaque un peu l'école français. Voilà, les Français, normalement, ils ne parlent pas trop bien les autres langues. Donc, C'est c'est vrai. devenu assez rapidement plus facile de parler français à la maison que allemand. Ouais.
Donc, on a commencé de parler que français. D'abord, avant, on parlait anglais nous deux, entre nous. Et à un moment donné, c'était vraiment devenu ma deuxième langue, quoi, qui a surpassé assez vite l'italien et après aussi l'anglais. Et maintenant, ça fait 11 ans que je parle français chez moi, à la maison, avec mon compagnon, avec notre fille. Mais voilà, c'est pour ça, je me sens assez à l'aise, disons Oui, ça. ben Oui, bien sûr, voilà. on t'entend, tu es très à l'aise, mais donc ton rapport à la langue française, il a évolué maintenant, Oui, il a évolué. C'était tu t'es d'abord, c'était réconcilié? la haine d'abord. Après, c'était j'étais, oui, comme c'était une nécessité, j'ai accepté d'avoir dû apprendre le français. Et maintenant, c'est un plaisir. Souvent, C'est devenu un souvent, c'est un plaisir. plaisir. Oui. J'admets que quand je me mets en colère, je préfère de parler quand même allemand. C'est Donc, toujours comme ça, hein. On c'est préfère, comme oui. on préfère sa propre langue. Et aussi quand je suis très fatigué, là, il y a Bien sûr. je vois quand même qu'il y a des mots que je connais pas, qu'il me manque. Je m'exprime mal quand je Oui. suis fatigué. Donc, je préfère là de parler un peu dans ma propre langue ou dans l'anglais qui reste quand même assez fort dans ma tête, quoi. Est-ce que tu as l'occasion de parler français dans ton travail? Oui, j'ai l'occasion parce que déjà, au cabinet, j'ai des familles françaises qui viennent parce qu'ils cherchaient un docteur francophone à Vienne. Tu vois, c'est un gros avantage finalement. C'est ça, oui. Après, au travail aussi, à l'hôpital, il y a parfois des familles francophones, soit françaises, soit africaines francophones, qui, surtout quand ils viennent juste d'arriver en Autriche, sont contents de retrouver quelqu'un un docteur autrichien qui parle français. Bien sûr. Donc là, c'est aussi un plaisir de leur aider dans leur propre langue, quoi. Donc De les aider c'est dans leur oui, propre langue, de oui. les aider, oui. Bien Voilà. Donc sûr. vous voyez la grammaire, Oui, hein, c'est des petites. Voilà, l'heure, l'air, Oui. c'est pas facile. Mais c'est vrai que si tu pratiques à la maison, mais pas tout le temps au travail, malgré tout, tu as réussi à atteindre un certain niveau de français Oui, qui je est pense vraiment que très bon. notre prof de français nous a quand même donné une très bonne base. À l'époque, j'avais, et comme je viens de dire, pas aimé, mais maintenant je sais, je reconnais qu'elle nous a donné une certaine base, une bonne base de grammaire, une bonne base de vocabulaire. Elle nous a forcé de lire, je me souviens, on a lu, avant le bac, on a lu Sartre, huis clos, on a dû lire Camus, L'étranger. À la base, c'était chose assez difficile. Et aujourd'hui, je comprends que ça m'a quand même aidé, toute cette structure qui restait un peu dans la tête. Je l'avais oubliée, mais elle est encore là. Et Et maintenant, oui, ça sort plus facilement. tout Ouais. ce qu'on apprend pendant l'enfance, en fait, ou l'adolescence, tout le travail qu'on a mis, tous les efforts qu'on a fournis quand on Ouais. était jeune, eh bien, il reste quelque part, en fait. Ça Oui, c'est ça, je pense. Oui, tu as raison. reste. Tu as Et il raison. suffit après de les retravailler, bien sûr, de les Oui. réveiller. Et donc, ton rapport à la langue française a changé. Oui. Donc en fait, quelle est toi ton opinion, Andreas, sur la culture française? Puisque j'imagine que tu as voyagé de temps en temps, tu voyages en France. Qu'est-ce que tu penses de la culture française? Là aussi, j'avoue que j'ai une. Il y a, comment on dit en français? En allemand, on dit, je traduis maintenant, on dirait, il y a deux cœurs qui battent dans mon corps. On peut dire ça en Oui, il y a français aussi? deux cœurs qui Oui, battent dans voilà. le Qui corps, battent dans mon oui. corps. Ah Oui, oui, c'est bon. intéressant ça. J'ai appris à aimer beaucoup de choses. Déjà aussi avec ma belle famille, qui est française, évidemment, qu'on visite deux fois par an, trois fois par an. Il y a plein de choses que j'ai appris, que je viens d'apprendre, que je viens d'aimer, où Par je me sens, exemple. par exemple, il y a une certaine structure dans la vie familiale, il y a des repas classiques français, il y a des traditions françaises pour, je sais pas, le petit café après, le petit vin, l'apéro, la tradition de l'apéro. L'apéro, c'est vrai que c'est pas quelque Oui. chose qu'on fait vraiment en Autriche. Au moins, on ne les fait pas tellement bien. En C'est une Autriche, il y a juste un institution. verre. Là, en Ouais. France, il y a quand même depuis L'apéro, c'est que. une institution en C'est ça, France, je hein, trouve. aussi. Oui. Voilà. Donc c'est Donc des là. petites
Ce sont plutôt des façons de vivre, des petits Des façons de vivre, rituels. Des petits rituels, oui, oui. Que j'aime beaucoup. Oui. En même temps, il y a aussi des choses où je réalise que j'ai quand même grandi dans une autre culture qui est assez différente, où où je reste observateur, où j'accepte les différences. Par exemple, là je parle aussi, c'est le pédiatre qui parle. Il y a en France, et j'ai vu ça aussi au lycée français, là à l'école maternelle à Vienne, j'ai l'impression que les Français sont obsédés que l'enfant doit être sans couche le plus tôt que possible. Il met beaucoup de stress. Et ça, je suis très franc, c'est d'abord démodé. En plus, c'est même pas bien pour l'enfant, parce que ce stress qu'il impose sur ce sujet, et c'est surtout à l'école, à 3 ans, si le gamin n'est pas propre, il impose un stress qui n'est pas très bien, et qui pour un Autrichien, parce que chez nous, voilà, on est beaucoup plus flexible, on dit voilà, s'il n'est pas propre à 3 ans, il sera à 4 ans, il sera plus tard, c'est pas grave. On laisse tout un fromage. Voilà, c'est ça. Donc on stresse moins, et je trouve ça très bien pour l'enfant. Ça, par exemple, là, quand je parle avec des Français, je me tais poliment, sauf si on me demande mon avis. Toujours cette tradition française. Oui, je trouve, oui. Ah, oui. Mm-hmm. Je vois ça dans ma belle famille, un peu, je pense. Bon, il y a une grande différence culturelle aussi entre la France et l'Autriche concernant, on reste dans l'éducation des enfants. On voit qu'il existe un congé parental assez long oui, en Autriche. C'est sûr. Donc une maman qui a un bébé en France, elle a 16 semaines de congé maternité. 16 semaines. Oui, je sais. Donc elle rentre, elle va travailler, elle reprend le travail au bout de 16 semaines, sauf si elle veut prolonger, ça peut se faire. Hein. Mais ce n'est pas la tradition. Alors qu'en Autriche, on peut prendre jusqu'à, je crois, ce qu'on appelle la carence, jusqu'à 2 ans de congé. Oui. Les enfants, en bas âge, restent beaucoup plus longtemps avec leur oui. mère. Donc il y a aussi ce côté plus moins stressant, je pense aussi, moins de stress sur l'enfant, sur la mère. Ça, on est dans le même sujet ici. Oui, c'est vrai. C'est une différence importante aussi. C'est une différence du système. Après, c'est un territoire dangereux sur lequel on se met là parce que évidemment on reste. C'est même pas une question de political correctness. C'est juste une question d'être respectueux. En tout cas, c'est la décision de la maman, de la femme oui. ou de la famille, disons ça. Si elle veut retourner au travail très tôt, mais c'est très bien. Si elle trouve un remplacement pour elle qui est bien, si elle veut rester avec son enfant plus long, c'est aussi très bien. Donc là aussi, je trouve être un peu plus relax, oui. plus cool, ça aiderait. Et c'est vrai, la loi en Autriche donne aux parents une certaine liberté de choisir oui, oui. que vous n'avez pas en France, non. parce que voilà, il y a une certaine pression de retourner tôt au travail. Et moi, je ne suis pas du tout contre retourner tôt au travail. Mais je trouve que ça devrait être la liberté de chacun, chacune, de décider. Et pour ne pas faire sembler que je parle juste de la théorie, moi, nous, on a une fille adoptée, disons, pour faire plus simple. Elle était nouveau-née et moi, j'ai pris un congé pour 2 ans. Donc, j'étais à la maison pour 2 ans. C'est et c'était, toi, c'était moi. C'est et toi c'était, qui et je trouvais ça très, très bien. Elle était quand même dans une crèche française, d'ailleurs, à Vienne, à l'âge de 1 an, 3 mois. Et là, j'ai quand même profité aussi de la ramener le matin, de la chercher à midi ou l'après-midi tôt, de profiter de ce temps papa, avec elle. Voilà, donc ne parlons pas seulement des mamans, parlons juste des parents qui peuvent gérer un peu plus flexible en Autriche. Librement je ce pense. Ce serait intéressant de voir, c'est ce qu'il y a des études qui ont été faites ensuite sur l'influence qu'ont ces comportements différents, ou ces règles différentes en France et en Autriche, sur le développement de l'enfant par la suite, de l'adolescent et de l'adulte qui va devenir. Je pense qu'on ne peut pas généraliser comme ça, parce que pour le développement de l'enfant, il est important qu'il ait aimé. Qu'il soit aimé, voilà le subjonctif là, mais je me suis quand même corrigé moi-même. Bravo. Et voilà, qu'il soit aimé, oui. qu'il soit bien installé dans sa famille. C'est ça. Il doit avoir une certaine régularité de vie, donc beaucoup mieux d'être
à un certain âge, même très jeune, dans une crèche où il y a des personnes qui sont chaleureuses, et qui aiment leur travail, qui aiment être avec les enfants, qu'avoir un système où on change tout le jour la personne qui s'occupe. Oui, oui. Donc, 100% pro pour les crèches, mieux ça que des autres systèmes, je pense. Et c'est ça ce qui est important. Et si on trouve ça à un âge très très jeune, mais c'est très bien. Si on trouve ça à un âge plus tard, plus âgé, c'est aussi très bien, plus tardif. Mais je pense qu'il faut trouver ça, une façon de vivre où l'enfant est bien entouré de l'amour, des personnes qui sont gentilles et qui sont pas une, que ce ne soit pas une centaine de personnes différentes. C'est ça, ce qui est important. Oui, après, si on retrouve ça dans sa propre famille ou avec une crèche ou une autre institution, moi, je ne pense pas que ça a trop influence sur le développement. C'est la sécurité, la stabilité qui est importante pour l'enfant, à mon avis. Oui, très, très bien. Andreas, est-ce que, pour terminer, aurais-tu un mot ou deux, une expression, un proverbe français oui. qui te plaît? Oui. Ouais. Bon, on va être très honnête. Tout ça, ce qu'on vient de parler, c'était complètement spontané. Oui, spontané. On n'a rien préparé. J'avais pas de questions, donc tout ça a été spontané. Là, quand même, j'avais le droit de me préparer il y a 10 minutes, donc j'ai bien réfléchi. Donc là, ça sort pas spontanément. J'ai quand même réussi à trouver quelque chose sans le googler, sans chercher sur l'internet. Et voilà, c'est un proverbe que j'ai appris par une copine française qui vit à Vienne depuis 20 ans, que je trouve très très chouette, que j'aime beaucoup. Le proverbe, il dit « La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe ». La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Donc s'il y a quelque chose qui est vraiment chiant au travail, et si on se sent pas bien, si on est trop critiqué par des autres, voilà, c'est très bien de penser à ça, et de dire, voilà, moi je suis un peu... moi je suis la ça blanche. M'atteint pas, voilà, moi je m'envole, je m'envole et tout ça, et je reste sur mon chemin, je continue de suivre mes idées, voilà, c'est pas mal. Ignorer la critique et continuer son chemin. Peut-être pas ignorer la critique, non, si c'est une critique constructive, mais ignorer tout ce qui est trop méchant. Parce que ça ne sert pas. Venin. Donc la baffe, voilà. Le parce venin. Que la baffe du crapaud, ce n'est pas du tout la critique constructive. C'est le venin. C'est purement négatif. Ça ne sert la pas. Ça nous salit la rumeur, sans nous aider. Hein, ça, voilà. Voilà. La rumeur, c'est ça. Les critiques, critiquer pour critiquer. Méprisantes. Voilà. Oui, absolument. Voilà. C'est ça. Donc ça, ça te plaît. Oui. Je trouve ça très bien. Très bien. Merci beaucoup, Andreas. De rien, c'était un plaisir. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.